Salut tout le monde, je vais vous présenter un haul Shein. Donc en fait, c'est sur l'équivalent de 3 commandes. Je n'ai pas présenté les deux premières commandes parce que elles étaient petites. Il n'y avait pas grand chance, il devait y avoir 3 articles, 3-4 articles dedans. Et comme j'ai repassé une grosse commande, je me suis dit autant tout faire en même temps. Ce sera plus simple pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous donner les prix au fur et à mesure. Donc, comme d'habitude, je regarde toujours sur le téléphone de ma fille parce que moi, je filme avec mon téléphone et je ne peux pas faire tout. Donc, en premier, j'ai pris ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, je kiffe ça. Donc, ouais, c'est un peu... Dire, c'est un peu débile de prendre ça, mais après, même le dessin, c'est un faux tatouage, une feuille de tatouage. Donc, moi, je vous donne les prix... qui est affiché sur le site, puisque comme d'habitude, moi avec les promotions, les codes promo et tout ça, je les paye moins cher. Donc celui-là est affiché à 75 centimes. Donc moi je le trouve super beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai. Alors, désolé pour le bruit. J'ai deux boîtes. Alors, c'est. Des boîtes en plastique à bijoux. Donc c'était 7,25€ la boîte. Moi je ne l'ai pas payé ce prix là, comme je vous ai déjà dit. Mais je les trouve super pratiques. Donc c'est des boîtes. Alors je pense, ouais, elles se mettent comme ça dans ce sens là. Donc vous voyez, et elles ont des compartiments comme ça qu'on peut bouger. Donc moi ça va être essentiellement pour ranger mes bagues et tout ça. Que là tout est dans des boîtes fermées, j'arrive pas à retrouver grand chose, ou alors faut fouiller quoi. Donc j'en ai acheté deux comme ça, et franchement je les trouve super bien. Donc je pense que si ça rend bien, je pense que j'en recommanderai, parce que à ce prix là ça vaut le coup. Donc je vais la ramasser directement, désolé pour le bruit, je vais la ramasser directement dans le carton. Ouf, j'ai reçu ce matin, comme ça, ça prend moins de place. Donc, ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est où? Voilà, c'est ça. Donc, je vais l'enlever du... Vous voyez, c'est un petit rouleau, ça ressemble pas à grand-chose. Mais en fait, c'est pour... donc ça, j'ai payé ça 1,75€. Et c'est pour... C'est pour auto-agrippant, c'est pour accrocher les fils des rallonges et tout ça ensemble, pour éviter que tout est éparpillé un peu. Comme moi j'ai beaucoup de triplettes, puisque nous on n'a pas beaucoup de vraies prises, donc on est obligé de mettre des triplettes à chaque fois, des rallonges et tout ça. Donc je me suis dit que ça serait pas mal pour accrocher tous les fils au lieu que tout se balade un peu partout. Donc ensuite, alors ça c'est tout petit par contre. Par contre, ça je ne vais pas les déballer parce que c'est vraiment rikiki. D'ailleurs, il faudrait que je les retrouve. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir. C'est transparent. En fait, c'est des tailles anneaux transparents pour les bagues. 1,75€. C'est quand les bagues sont trop grandes. En fait, moi j'ai certaines bagues qui ne sont pas réglables. Mais que j'aime beaucoup, mais que je peux pas mettre parce que ben n'importe quel doigt sont trop grandes. Donc ça, on met ça à l'intérieur de la bague et ça rétrécit, comme ça elle arrête de tomber ou on arrête de la perdre. Donc j'en ai pris, normalement j'en ai pris deux comme ça, ouais. Donc j'en ai acheté deux. Donc c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, 1,75€. Donc ensuite, alors désolé, mais donc j'ai dit, alors ouais, je vais prendre ça dans ce sens là parce que sinon je vais mélanger les pinceaux. Donc j'ai aussi ça, 2€, c'est un sticker aussi avec un motif de renard de Kitsuni. Donc je le trouve trop beau, donc c'est un tatouage aussi, hein. Donc en ce moment, ouais, j'aime beaucoup ça, donc je commande après. Je commande ce qui me plaît.
Ensuite, alors là, je vais vous montrer, c'est un... Alors, je ne vais pas vous montrer tous les diamond painting que j'ai achetés, je vais vous les montrer en photo sur le téléphone de ma fille. Parce que, tout simplement, parce que déjà, vous verrez mieux. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Et puis, si je vous montre comme ça va rien donner. Donc, j'ai acheté celui-là, le renard. Donc, il est super joli, je le trouve super beau. Donc, j'en ai acheté pas mal, c'est pour aussi mettre dans la chambre de mes petits-enfants quand ils seront finis, bien sûr. Donc, celui-là, je l'ai payé 3,50 €. Ensuite, j'ai acheté, c'est des affiches murales. Donc, faut que je les retrouve, hein. Faut me laisser un peu de temps pour les retrouver sur le téléphone de ma fille. Parce que c'est pas mon téléphone, donc ça c'est les oranges. Donc, c'est les oranges, c'est celle-là, voilà. Donc, je les trouve trop belles. Donc, c'est des affiches. Alors, c'est pareil, je vais pas les sortir des boîtes parce que c'est en format de rouleau comme ça. Et après, pour les remettre dedans, c'est galère. Je préfère vous les montrer directement par téléphone, comme ça, c'est plus simple. Et ceux-là, je les ai achetés, je dis pas de bêtises, 6 € les trois affiches. Donc, si on compte séparément, ça fait vraiment pas cher. Ensuite, alors ensuite, j'ai. Faut que je retrouve parce que j'ai tout étalé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Non, je crois que c'est. Non, c'est ça. Attendez, hein, faut que je recherche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit porte-clés renard en fait. Bon, je vais l'ouvrir. Alors, est-il encore que j'arrive à l'ouvrir? Parce que voilà, donc c'est pareil, hein, c'est motif renard. Alors, je sais pas si on va bien voir en fait, là comme ça. Donc c'est renard avec une petite clochette, comme ça. Donc je le trouve trop chouette. Donc celui-là, je l'ai acheté 1,50 €. Donc désolé, je vous reprends tout de suite. Bon, ben, me revoilà, désolée pour la coupure, coup de téléphone. Donc, ben, coup de téléphone, on décroche. Donc, je continue, voilà. Alors, j'ai pris un truc comme ça. Alors, ça coûtait 1,50 € pour mes diamond painting. Parce que dans la plupart, ils sont verts ou je sais pas quoi. Et je trouve qu'on voit pas bien les perles dedans. Alors que sur du blanc, comme la plupart, c'est vrai, la plupart des perles sont des perles de couleur. Que là-dessus on verra mieux. Comme je porte des lunettes, c'est beaucoup plus fatigant pour moi de voir sur un truc de couleur. Et faut que je m'achète la prochaine fois, c'est un stylo qui fait de la lumière là pour attraper les perles, ça sera plus pratique. Donc ça valait 1,50 €. Ensuite, j'ai deux affiches. Alors ça, c'est des diamond painting aussi, mais c'est pour ma fille. Donc je vais vous les montrer directement aussi parce que ça va être plus simple. Alors j'ai pris les deux modèles parce que je trouvais les deux modèles super beaux et je ne savais pas lequel choisir. Donc c'est la première lettre de son prénom. Donc ça donnera ça. Donc pour le premier. Donc ça valait, le premier valait 3,75 €. Et l'autre, il vaut 5,75 €. Il est différent, bien sûr. Alors, il est en format or, vous voyez. Je trouve que c'est mieux de montrer comme ça parce qu'on voit ce que ça donne, en fait. Donc ça, c'est pour ma fille, quand ils seront faits, bien sûr, parce que ça ne va pas être tout de suite non plus. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer. Alors, c'est des affiches. Donc je vais vous les montrer. Donc la première était à 3,50 €. Donc je la trouve trop belle. C'est un cerf avec des feuilles. Donc je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, mais donc 3,50 €. Alors là j'ai commandé pas mal d'affiches.
Ensuite, j'avais. Alors, une autre où il y a trois affiches. Donc, ça valait 6 euros. Je n'ai pas payé 6 euros, hein, j'ai payé beaucoup moins cher avec, mes codes. Donc, je vais vous la montrer ce que ça donne, puisque je ne vais pas aller sortir, je ne vais pas m'amuser à les sortir. Alors, c'est pareil, c'est deux paysages et puis des serres au milieu. Donc, ça donne ça. Je trouve magnifique. Après, il suffit juste de les mettre dans des cadres. Et les cadres, c'est pas ce qui coûte le plus cher maintenant. Ensuite, la dernière, c'est 4,55 €. C'est aussi un lot de trois affiches. Alors, c'est... Que je dis pas de bêtises. C'est voilà, c'est des genres... Bah, c'est pareil, c'est deux serres avec des feuilles au milieu. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je les trouve tellement belles. Franchement, ça... Il y en a tellement de toutes sortes sur Shein et c'est vraiment pas cher. Alors quand on veut changer la déco. Ensuite, j'ai ça. Alors, désolé pour le bruit. Je n'ai pas enlevé les paquets. Faut juste que je trouve le bord. Bien sûr, on ne trouve jamais le. Ah si. C'est-à-dire qu'on cherche, qu'on trouve. Ah. D'ailleurs, je vais jeter ça parce que j'en ai pas l'utilité. Donc, c'est juste une housse de coussin, une housse d'oreiller, mais je la trouvais trop mignonne avec des fleurs comme ça. Alors, je sais pas si c'est des fleurs de quoi. Donc, elle, je l'ai payée 2,50 €. Mais je la trouve très belle. Et puis, bah, on n'est jamais à court d'oreiller quoi, enfin de tête d'oreiller. Ensuite j'ai pris celle-là. Donc celle-là c'est pas pour moi, c'est pour une fille que je connais, une amie. Et comme je sais qu'elle adore les bulldogs, donc celle-là je l'ai payée 2,50 €. Regarde. Donc je pense qu'elle devrait bien l'aimer. Oui. Donc celle-là, c'est pour offrir. Ensuite, j'ai un autre diamant painting. Alors ça, c'est pour la chambre de ma petite fille. Donc je vais vous la montrer. Alors c'est une tête de petit chat. Elle est trop rigolote. Là, comme ça. C'est mignon, hein? Bon, après, il faut voir une fois fini, bien sûr. Donc celle-là, je l'ai achetée 2,75 €. Ensuite, j'ai une housse de coussin. Donc, ouais, j'ai pas mal de housses de coussin. Enfin, j'ai déjà commandé plein de housses de coussin sur Shein. Parce que je les trouve super jolies. Je sais même pas si celle-là, je ne l'ai pas déjà commandée. Non, je crois pas. J'en ai des identiques. Vous voyez, je la trouve super belle. Regarde les reflets qu'elle a. Donc, je la trouve très chouette. Et comme ma chambre, elle a ces deux couleurs-là, dans ma chambre, il y a du noir et de genre or, quoi. Donc, ça ira très bien dans ma chambre. Donc, celle-là, c'était, oui, 2,50 €. Ensuite, on va passer aux fringues. Il y a des fringues aussi, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Faut juste que je retrouve là-dedans. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Ah si, là ce que je cherche. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas 150. Non, mais toi, tu. Ne faites pas attention, je parle toute seule. Donc voilà. Donc ça. Alors, je mets ça par terre parce que. Donc c'est juste un petit haut d'été. Oh, je l'ai pris un peu large, je trouve. Hyper large, même. Ouais, c'est pas grave, après, je pourrais toujours trouver un système ou alors on verra bien ce que ça donne. Mais j'aime bien avec des feuilles. Ouais, non, c'est des plumes. Je trouvais trop chouette. Et puis, il a un peu de dentelle au niveau du col, là, si vous voyez bien. Donc, si, je le trouvais trop beau. Donc, celui-là, je l'ai payé
8,99, mais c'est parce qu'il y en avait presque plus. Il y a certains trucs que j'ai pris parce qu'ils étaient pas loin de la rupture de stock. Et il y a des trucs sur Chine, quand c'est en rupture de stock, des fois ils en remettent pas. Donc, je préfère prendre Tanga. Oh, tout tombe. Donc, ça c'est un pull. Alors, vous allez me dire, là il fait super beau. Mais quand je l'ai passé ma commande, il faisait un temps de shot. Donc on prévoit pas. Donc celui-là, je l'ai payé. Ah oui, celui-là, je l'ai payé. Enfin, techniquement, je l'ai payé 20,99€. Mais en fait, je l'ai payé 16,31€. Parce que j'avais une promo. Mais après, c'est un gros pull d'hiver. Et j'aimais bien la couleur et les manches. Comme ça, les grosses manches bouffantes, comme ça, là. Et j'aimais bien la couleur. Je trouve que ça peut aller avec un jean bleu, un jean noir. Enfin, pas talon, forcément. Pas forcément un jean. Hein. Mais bon, ben voilà. Donc, moi, j'ai trouvé trop joli. Je crois même que c'est l'un des trucs les plus chers que j'ai acheté. Ensuite, j'ai trouvé tout à l'heure. Et je l'ai reperdu. Ah non. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Non, franchement, je ne sais plus. C'était... Maintenant, c'était le truc renard que je vous ai montré tout à l'heure, le petit portefeuille renard. Mais ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Désolée, mais il y a tellement de bordel que même moi, je me plante de trucs. Même moi, j'arrive pas à m'y retrouver. Alors là, ça doit être ça. Le seul truc noir que j'ai, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Donc c'est une jupe en dentelle asymétrique. Alors je sais pas si vous allez bien la voir à la caméra, enfin au téléphone. Donc sur le côté elle a de la dentelle et sur le reste c'est une jupe normale. Alors moi je suis pas jupe, hein. Mais pour pas rester sur ces positions. Donc celle-là je l'ai achetée 12,99€. Hein. Ensuite, il y a les mouches qui commencent à arriver parce qu'il y a du soleil. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Donc, c'est pareil. Ça, c'est des petites robes d'été. Donc, je les ai payées 10,49€. Donc, c'est des petites robes d'été à bretelles. Donc, je vous les montre. Alors, c'est dans quel sens? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, comme ça. Avec les petites bretelles. Ah, Mazette. Les petites bretelles. Alors, les bretelles sont réglables, bien sûr. Mais j'aimais bien ce... Vous voyez, c'est blanc et après, ça retourne à l'orange. Et j'aime bien se décolorer comme ça, là. Je trouve que ça, c'est trop mignon. Ensuite... Ah, ouais. Donc, moi, je retrouve... totalement dans les choux. Est-ce que c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Donc à un moment de temps, ils ont fait une catégorie Friends, la série. Donc comme c'était nouveau et que moi j'aime beaucoup la série, donc je me suis pris une tête d'oreiller comme ça, avec tous les personnages. Donc je la trouvais bien, et puis surtout qu'elle n'était pas chère, elle était à 2,50€. Donc franchement, pas de quoi s'en priver. Ensuite, ah oui, j'en ai deux autres. Alors, c'est pas celle-là. Il y a une blanche et une rose. Donc, ça peut être, si, c'est celle-là. Donc c'est aussi deux têtes d'oreiller French. French, c'est French. Désolée, je n'ai pas l'accent, l'accent qui va avec. Alors, si, ça doit être ça. Que je dis pas de conneries. Si, biapi. Donc, il y a celle-là, blanche. Mais ça faisait partie de la collection Friends. Donc, celle-là. Et sa copine, qui est rose. C'est pour ça que je sais que ça fait partie, parce qu'elles sont sur le même truc. Et celle-là qui est trop belle aussi.
Et derrière, on a des tasses à café. Donc c'est bien, elle est réversible. Donc voilà, donc 3 euros, les deux têtes d'oreiller, 3 euros. Ensuite, la petite robe que je viens de vous montrer, il la faisait en deux coloris. La orange et puis la rose. Donc pareil, bretelles réglables, pareil, rose en haut, blanc au milieu et rose en bas. Donc pour l'été, je trouve que c'est super bien. C'est pas chaud, donc on va pas crever de chaud. Donc 12,49. Après, j'ai ça. Alors, ce sont des blocs à lettres. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour ça. Je pense que je vais m'en servir en déco. Vous voyez, c'est des petits trucs en cuir, en genre de cuir sur le thème de French. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là où c'est marqué French. Et il y a celui-là où c'est marqué aussi French, mais il y a des dessins, il y a un canard et tout ça. Et je les trouve trop chouettes. Après, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. On verra bien. Donc ça, c'était 2,50 €. Ensuite, c'est un Pentured Diamond, là. Alors, je l'ai payé 5,75 €, donc je vais vous montrer. Et j'ai encore enlevé la page. 5,75 €. Donc, c'est une fille. Vous voyez? Mais j'y trouve tellement chouette. Donc, j'en ai toutes sortes. Hein. J'ai des animaux, des trucs de asiatiques, des trucs toutes sortes. Donc, ensuite, j'en ai un autre, c'est 3,75 €. Donc, je vais vous le montrer aussi en photo. Donc, ce sont des loups. Alors, regardez. C'est pas beau, ça? Donc, ça va pas être facile à faire parce qu'au niveau des couleurs, c'est quand même super flashy. Mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai 3,75 €. Alors, je vous dis, j'aime toutes sortes. Hein. C'est un dragon. Alors, j'adore aussi tout ce qui est dragon. Donc, je le trouve super beau. Bah, comme tous ceux que j'ai commandés, de toute façon, sinon je ne les aurais pas commandés. Donc, j'espère que franchement, ça va bien donner une fois fini. Donc là, je suis rapide hein, parce que je ne vais pas les déballer. Donc, j'ai commandé une boîte comme ça. C'est une boîte toute simple, blanche, transparente. Et en fait, c'est pour mettre... donc, je l'ai payé 3,25 €. Et c'est pour mettre tous les masques. Parce que j'ai des boîtes de masques. J'ai des bleus, j'ai des noirs, j'en ai de couleurs. Et j'en ai marre d'avoir 15 000 boîtes empilées là comme ça. Donc, je vais tous les mettre dedans et ça sera beaucoup plus simple pour se servir quand on a besoin. Parce que dans les hôpitaux, il y a toujours besoin de toute façon. Et chez certains spécialistes, il faut toujours avoir le masque. Donc, je préfère tout réunir dans la même boîte que d'avoir 15 000 boîtes empilées comme ça. Et je l'ai payé, 3,25 €. Ensuite, j'ai un autre pull. Donc, je pense qu'ils serviront plus l'année prochaine parce que, au niveau du temps... En tout cas, là, nous, on est repassé, où j'habite, on est repassé avec du super beau temps. Et la semaine dernière, par contre, on a eu du temps pourri. Donc, celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que il fait un côté pull et un côté chemise. Donc, il est un peu bizarre à montrer parce que, vous voyez, il y a un côté chemise et un côté pull au vert. Donc, il a la manche de la chemise et il a la manche du pull. Donc, je le trouve super beau. Donc, celui-là, je l'ai payé 14,49 €. Donc, je mets directement en boîte parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça après. Ensuite,
Je vais vous montrer. Alors, c'est. Non, celui-là, je vous l'ai montré. Oui. Donc, c'est un autre diamond painting. Alors, il est où? C'est pour une des chambres de mes enfants. De mes petits-enfants. Pas de mes enfants, ils sont grands, mes enfants. C'est un paresseux. Et regarde, je le trouve trop kiki. Un petit paresseux sur sa branche. Donc après, avec tous les diamond painting que j'ai, là, j'ai de quoi faire. Il faut juste un peu de temps, quoi, pour les faire. Parce que je ne suis pas forcément à la maison. Je suis tout le temps en train de courir partout. Mais au moins, j'en aurai d'avance. Ensuite, ah oui, je savais bien qu'il m'en manquait une. J'ai encore, alors j'ai plusieurs têtes de rouillé, hein. Donc, celle-là, c'est le même principe. Donc, vous voyez, c'est avec des fleurs comme ça, des feuilles, ouais, c'est dedans, c'est des feuilles. Donc, je la trouve super jolie. Donc, ça c'était combien ça? C'était 2,50 €. Donc ça c'est fait. Ensuite un autre diamond painting, donc c'est aussi un dragon. Donc alors celui-là par contre il va être hyper dur à faire parce qu'il est tout en doré. Regardez. Donc je vous raconte pas comment il va être dur, mais bon bah après si c'était trop facile ça serait chiant aussi. Donc celui-là je l'ai payé 5,75 €. Alors franchement pour le prix Diamond Painting, faut pas se priver parce que vu les prix qu'ils font, c'est de la rigolade. Celui dont je vais vous montrer maintenant, je l'ai payé 4 €. Alors c'est un cœur, donc avec des fleurs au bord de la mer. Je le trouve trop joli. Donc franchement, mais je vous dis après, moi, je trouve tout trop joli. Donc 4 €, hein, franchement. J'avais pas déjà celle-là. Une autre tête d'oreiller. C'est pas la même que je t'ai montrée tout à l'heure. Ah bah je l'ai commandée deux fois. 2,50 €, une autre tête d'oreiller. Mais des fois, moi, je fais pas gaffe et puis je clique sans faire attention. Mais après, c'est pas perdu. Hein, si j'ai en double, je donne à ma fille. Hein, rien n'est perdu. Ensuite, j'ai commandé. Alors ça, c'est des petites roulettes pivotantes en plastique universel. Donc, je lis ce qu'il y a sur le descriptif. Hein. C'était 2 € le paquet. Donc, j'ai commandé 4 paquets. J'ai vu ça sur un... Je sais plus sur quoi j'ai vu ça. Sur une pub... ou un truc comme ça. Et franchement, enfin, après, je ne dis pas que ça va marcher, mais si ça marche sur des petits trucs, pas bien sûr, pas sur un gros meuble ou un truc, mais sur des petits trucs, ça peut être pratique à avoir. Je trouverai une utilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai 4 paquets, ça valait 2 €. Si je les ai pris, c'est que au moment où je les ai achetés, pensais en avoir l'utilité, donc je pense que ça continuera. Alors ensuite, ah oui, j'ai acheté des masques. Alors là, c'est pareil, ben comme une andouille que je suis, je les ai commandés en double tous. Bon après, ils étaient pas chers, hein, franchement 1,50 €. Donc c'est aussi motif Kitsuni. Donc j'ai celui-là, donc j'en ai deux. Hein. C'est pas grave, hein, je peux faire un truc avec les deux. Hein. Donc j'ai ce modèle-là. Donc ouais, 1,50 € chacun. Donc trop beau, bien sûr. Alors je vous montre en fonction de ce que j'ai. Hein. J'ai commandé aussi, ça c'est une chaîne avec un loup dessus. Donc elle, je l'ai pris à 2,25 €. Voilà, j'ai commandé. Alors, j'avais fait des bracelets avec le prénom de chacun de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais j'aimais pas le résultat final. Ça faisait un peu trop. Je sais pas, j'aimais pas. Et je cherchais des perles rondes de couleur parce que, en fait, pour chaque bracelet de chacun de mes enfants, je mets une couleur différente.
Et j'ai cherché sur Action pendant des mois et des mois, et je n'ai pas trouvé. Il y avait toujours, c'était toujours des perles rondes, et je ne voulais pas des perles rondes, en fait. Donc j'ai trouvé ça sur Shein. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, des perles comme ça. Donc je les ai commandées. Bon, après, c'est pas perdu, hein. Et je me suis aperçue ce matin que ben on a été à Action et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ben, des boîtes de perles identiques, moins grandes bien sûr, mais identiques. Alors j'en ai cherché pendant des mois. Après c'était trop tard, moi les miennes étaient déjà commandées. Donc celle-là, la grosse boîte là, je l'ai commandée à 5,25 €. Donc ça vaut le coup. J'ai commandé aussi, alors désolé pour le bruit. Alors, je ne vais pas le déballer parce que pour l'instant, je n'ai pas de place où le mettre. C'est un masque de dragon. Donc, je le trouve super beau. Sur un mur, franchement, je pense que ça doit bien donner. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le déballer puisque je ne peux pas le poser maintenant. Donc, celui-là, je l'ai acheté 2,50 € aussi. Ensuite, j'ai commandé. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Peut-être pour toi, pour plus tard. Parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais commandé ça. Les 2,50 €, c'est une tête d'oreiller avec des petits chats. Si, parce que comme toi, tu as gagote tes chats. Donc, je la trouvais trop mignonne, les deux petits chats qui jouent avec une petite pelote de laine. Et ça doit être pour toi que je l'ai commandé, je pense. Après, elle est mignonne, hein? Deux petits chats blancs. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup, mais. Donc, encore un diamant Pantene. Alors, celui-là, je le trouve magnifique. Alors, c'est un décor de cerisier japonais avec le bâtiment derrière. Je le trouve trop beau. Donc, celui-là, je l'ai acheté combien? 3,25 €. Franchement, on ne peut pas faire plus bas. J'ai encore des masques. Donc, je vous ai dit, j'en ai commandé. Et je les ai tous commandés en deux fois. Donc, deux masques rouges. Donc, c'est les mêmes que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, mais pas les mêmes couleurs. Donc, voilà. Et j'ai commandé les deux mêmes, bien sûr. C'est pas les mêmes encore, mais c'est pas la même couleur. Mais je n'ai que fait commander par deux en blanc, comme ça, d'une autre couleur. Donc j'en ai deux, bien sûr. Donc pareil, 1,75 €. Donc j'ai dû cliquer sur plus sans le faire exprès. Je sais pas comment je m'y suis prise. Mais ça m'arrive souvent. Je fais pas gaffe. Et bon, bah après, ça par contre. Ah si, j'ai mon ciseau. Donc ça, je vais vous montrer. Alors, je me suis commandé des boucles d'oreilles. Il n'y a qu'un seul petit problème, c'est que moi, je suis allergique à tout ce qui est boucles d'oreilles, que ce soit de l'or, de l'argent. Donc, je suis allergique. Mais j'ai acheté des trucs spéciaux. En fait, c'est des trucs qui se clipsent. Alors, je suis allergique quand on met. J'ai les oreilles percées depuis que je suis toute jeune. Mais je ne porte jamais de boucle d'oreille parce que dès que je mets les boucles d'oreille, ça forme une boule et puis ça me fait mal et puis l'oreille devient toute rouge. J'ai essayé déjà l'argent et l'or et ça me fait exactement pareil. Mais j'avais acheté un jour, j'avais trouvé sur un catalogue, c'est des clippers en fait qui se mettent et on accroche la boucle d'oreille dessus. Donc ça me permettrait de mettre des boucles d'oreille sans avoir l'allergie qui va avec. Donc, là, c'était, donc, on a le renard et la petite fleur qui va avec le renard. Donc, après, c'est vrai que je suis pas, j'adore les bijoux, j'en porte jamais à part cette bague-là que j'ai depuis un moment, là. Mais c'est juste que j'y pense pas, en fait. C'est vrai que quand je pars le matin ou que j'ai des trucs à faire, je pense pas à prendre des bijoux, à me maquiller, à faire des trucs comme ça. Mais bon, bah faut que je m'y mette, hein. C'est pas le tout, hein. Donc ceux-là, je les ai payés 1,50 €. Ensuite, j'ai une tapisserie. Alors ça, c'est une tapisserie. C'est un cadre. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais n'importe quoi. Ça, j'ai montré déjà. Faites pas attention, je parle toute seule.
c'est pas la même. Si, c'est celle-là que j'ai montrée. En fait, celle-là, oui, c'est celle-là, mais je l'ai déjà montrée tout à l'heure. Je fais n'importe quoi, moi. C'est quand j'ai pris mes photos, j'ai fait du n'importe nawak. Mais c'est pas grave. Donc, ensuite, j'ai un 1,75 €. C'est un petit bracelet avec un, bah, toujours pareil, un petit renard. Vous voyez, 1,75 €. Ensuite, alors, j'ai celui-là, il est magnifique. C'est un diamant de painting. Mais franchement, il est magnifique. Mais il va être dur à faire. Mais les couleurs, franchement, elles sont superbes. Donc, et celui-là, je l'ai payé. Je vous ai dit, hein. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher. 9,25 €. En fait, je l'ai eu à 7,32 €. Mais le prix d'origine était 9,25 €. Mais parce que je l'ai pris en 40 sur 50. Pour que ça rende mieux. Donc, qu'est-ce que je vous ai pas montré là, en fait? J'ai deux trucs là. Non, celui-là, je devais l'avoir avant. Mais ça, j'en ai commandé deux. Et ça, c'est quoi alors? Alors là, ça, c'est un grand mystère parce que. Parce que je ne sais pas si j'ai commandé ça. Bah si, j'ai dû commander parce que. Ah, un truc de mazette. Bah non, je n'ai pas commandé ça moi. C'est quoi? Ah mince, si c'est la tapisserie. Ah c'est ça. Ah oui, regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. C'est une tapisserie. En fait, c'est un tissu avec un dragon. Oh. Par contre, il va falloir que je le remette dedans. J'aurais peut-être pas dû le déplier et vous le montrer en image. Donc celui-là, je l'ai payé 2,75 €. Et il y a les accroches avec. Mais il faut que je le remette dedans parce que sinon ça va être la galère. Si je laisse ça traîner, ça va être la galère. Je vais perdre les accroches. C'est pas le but. Donc celui-là, il va retourner dans le sac. Donc voilà. Donc maintenant, en plus, il va falloir que je trouve la place où ranger tout ce bordel. Parce que c'est bien beau, mais ça en fait des choses. Donc voilà pour mon haul Shein. J'espère que ça vous aura plu. Donc, il y avait beaucoup de choses. Mais bon, ben après, voilà. Faut se faire plaisir aussi dans la vie. Hein. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis ben, je vous dis à la prochaine pour un haul, je sais pas quoi encore, mais on verra. Donc, bye bye.